Bah, je suis quand on mange à table par mes autres coéquipiers, c'est même pas moi, je l'ai appris, c'est eux qui me l'ont communiqué, donc ça m'a fait plaisir et ça m'a agréablement surpris. Et bon, après, je pense que c'est tant mieux pour moi et je remercie le sélectionneur d'avoir fait appel à moi. C'est une grande joie, c'est le pays, c'est toutes les personnes qui sont derrière nous. Et ça fait vachement plaisir. Ça m'a choqué, mais j'étais un peu. Comment on va dire? Je réalisais pas tout de suite. Et quand tu es arrivé ici, tu as été accueilli par qui? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux J'ai nous raconter? vu Lévin à l'entrée. Il m'a dit félicitations et il m'a un peu. Il est resté un peu avec moi pour pouvoir m'accueillir. Je commence à Erani dans le 95, là où j'ai grandi. Étant petit, après, je suis passé au PSG à 8 ans. Depuis, je suis là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je fais la préformation, la formation. Et aujourd'hui, je suis avec les pros. J'ai pas été appelé en jeune en équipe de France, sauf en U20 au tournoi de Toulon. Et depuis, je suis en espoir. Ta force, c'est quoi sur un terrain? Je dirais, je suis quelqu'un qui aime le combat. Après, je suis assez bon aussi techniquement, donc ça va, je m'en sors bien. Ouais, je suis l'équipe de France depuis tout petit. Et être là aujourd'hui, c'est un énorme bonheur. Et je crois que je ne m'en rends pas encore assez compte maintenant, mais je pense que ça va arriver une fois que j'aurai vu tout le monde et que je vais commencer les entraînements.